catholiques disent, c'est nous qui sommes les vrais églises. Les pentecôtes disent, c'est nous qui avons la bonne doctrine. L'assemblée de Dieu dit, c'est nous qui sommes meilleurs parce que nous allons dans les écoles de théologie. Après ça, protestants disent, c'est nous qui suivons la vraie doctrine. Les célestes disent, c'est nous qui connaissons Dieu. Les originaux disent, c'est nous qui savons faire fire, frère. Lorsque c'est comme ça, j'appelle ça la niaiserie spirituelle. Tu as ton mari, le mari gagne 100 000 francs et tu demandes à ton mari, va louer une maison de 80 000 francs. Tu es malade. Lui permet une transition, lui donne un transfert de l'esprit de Dieu en quelqu'un. Si l'huile est consacrée, ce n'est pas parce que ta doctrine a refusé l'huile que tu as refusé. Faites attention, j'entends des gens dire, notre église, c'est Jésus seul, c'est Dieu seul, il n'y a pas l'huile, on ne complète rien, on n'utilise rien. Mon frère, ça ne va pas chez toi, ça ne va pas, tu lis quelle Bible. Il y a des pères, vous avez des situations avec vos épouses. Au lieu de parler avec vos épouses, vous venez jeter la malédiction sur les enfants. Malota, ça ne va pas. Il y a caca dans ton Congolo. Il y a caca dans ton Congolo. Toi-même, tu as la maison. Ton enfant rentre après minuit. Et l'enfant, quand il y a la porte, et l'enfant dit maintenant, ouvrez-moi la porte. Toi-même, tu sors dans ton grand lit et tu vas ouvrir la porte. Ça ne va pas. Ce qui nous tue, que les chrétiens n'évoluent pas, c'est du syncrétisme. Nous voulons voir notre Dieu debout comme un bœuf. Nous voulons voir notre Dieu comme Iroko debout. Nous voulons voir notre Dieu comme un amulette préparé. Nous voulons voir notre Dieu comme caca d'un fétichaire. Quelqu'un dit insensé. Enseigne papa. Prêche mes padres. Au ciel, on ne connaît pas catholique. On ne connaît pas origine. On ne connaît pas pentecôte. On ne connaît pas assemblée de Dieu. On ne connaît pas protestant. On ne connaît pas une église. Il n'y en a pas baptiste là-bas. Il y a des gens qui pensent maintenant que leur église, c'est l'église qui a reçu le droit de veto auprès du trône de Dieu. Celui qui prêche la repentance doit chasser les démons. Quand tu prêches la repentance, le démon ne peut pas résister devant toi parce que tu es saint. Celui qui prêche la repentance amène la sainteté au milieu du peuple de Dieu. Lui-même n'est pas corrompu. Il vit ce qu'il enseigne. Le démon ne voit pas ça. Le démon fuit en même temps. En présence des saints, les démons fuient. Donc quand tu prêches la repentance, tu vas chasser les démons. Combien de fois tu as chassé démons? Si tu n'as pas encore chassé démons, bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas encore prêché la repentance. Quand un père maudit un enfant, regardez ce qui se passe dans les hameaux. Il y a des papas, on doit les attacher. Les gens du village vont les chicoter. Il y a des femmes qui ont fait avortement fatigué dans la jeunesse. Tu t'es avorté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tu as eu prix Nobel et tu as le droit de veto d'avortement. Regardez comment vous êtes dans des viscos, les tigres, regardez les good luck, regardez les vestes. Écoute-moi, être réellement dans le règne de l'esprit, tel que tu as de parfait sur ton corps, est-ce que ton esprit aussi a de parfait, est-ce que ton âme a de parfait, ou bien c'est caca? Alors, ce n'est pas pour rien. Dans les églises, il manque de guérison. Nous pouvons guérir. C'est une dimension. Guérir sans utiliser l'huile d'onction. Mais parfois, on utilise l'huile pour des guérisons. Si les églises, vous vous rassemblez, 500 000. Vous dansez, vous habillez en association, vous venez, vous écoutez la parole de Dieu et la parole qui est prêchée, même vous somnolez dedans. Après, c'est de prier. Et vous avez dit, et vous n'avez pas de signe de guérison. C'est à cause de cette doctrine que vous méprisez. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Beaucoup sont ceux-là qui font du syncrétisme, qui entrent dans l'idolâtrie à cause de leur nourriture. Quelqu'un dit nous vaza, la bouche lâche. Toi seul, tu as 10 copains, tu me regardes. Toi, tu me regardes. Tu es jeune fille de 25 ans, tu as copé 90 ans. Jeune fille de 13 ans, tu as copé 70 ans. Sors de cette bêtise. Sinon, ça va te rattraper plus tard. Quelqu'un va prendre l'huile et il va guérir avec lui. Quelqu'un doit prendre 5 sels et il va guérir avec lui. Mais celui qui a pris pour soi, le contrôle est tourné ici. Beaucoup disent, les
églises, on utilise lui là. C'est Mami Wata. Bien aimé, toi tu as été une fois dans la mer pour savoir s'ils ont usine de l'huile. Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Ça c'est être mouton. Ça c'est être mouton. Ça c'est être mouton d'une doctrine Chanel. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, à cause d'un intérêt, vont se marier à un homme fétichaire. À cause d'une voiture, ou bien une maison, une petite maison. Je vais te dire une chose, faut pas voir quelqu'un aujourd'hui et penser que son lendemain n'est pas meilleur. Les gens voient ça là simplement. Ou bien la personne a fait d'argent, alors tu abandonnes ton Dieu et tu vas te marier avec un homme de Tron, un homme de Tigali, un homme de Ogou, un homme de Zangbeta, un homme de Kouvito, un homme de ceci. Les amis, tu es une jeune fille ici et tu vas faire ça, tu me regardes, tu la vois, mais tu n'attends pas. Non, je vais t'insulter. Yes, papa. Ah oui. Toi, Némé. Maman, tu vois ta fille sortir et ta fille revient avec salade, avec shawarma. Or, tu ne lui as pas donné l'argent qui la suffit au point où elle va prendre de shawarma ou de salade. Ça rentre seulement. Tu prends ça, tu manges. Tu marches, tu marches. La fille te dit, maman, je t'ai amené ceci. Hein. Toi, tu es content, ma vie a grandi. Ma vie a grandi. Ou bien, tu vois le jeune homme amener des jeunes filles à la maison. Il vient aujourd'hui avec un autre, après, avec une autre, après changement. Hey, mon garçon grandit, mon garçon est vivant. Ton garçon va amener Sida et sa destinée sera détruite.